Bonsoir et bienvenue pour ce 19e épisode d'Anime Time. Voilà le nouveau décor hein, pour les Anime Time. J'espère qu'il vous plaît. Sympa. Maintenant je suis assis, c'est plutôt cool. Bref, aujourd'hui on va... Attends mec, on a un problème. Quoi ? Ça fait un mois que la saison 2 elle a commencé, on n'a toujours pas parlé de Shakugan no Shana. Va falloir qu'on y remédie, tu le sais ça. Ok, ok. Vous inquiétez pas les mecs, laissez-moi faire. C'est parti pour Toradora. Toradora est un shonen créé par Yuyuko Takemiya en 2006 et qui nous raconte l'histoire de Ryuji Takasu, un jeune lycéen qui vient de rentrer en seconde année. Ryuji vit seul avec sa mère et... Et il va te niquer ta mère si tu le regardes de travers. Ou pas. Non. En fait, il y a énormément de rumeurs qui circulent dans son lycée comme quoi il serait violent. Bon, en même temps, quand tu vois son regard, c'est pas étonnant. Pourtant, Ryuji, c'est quelqu'un de très très calme. Ryuji, oui, effectivement, hein. Mais pas elle. Pas la fille surnommée Temori Tiger. Cette fille, Temori Tiger ou Aisaka Taiga de son vrai nom, habite juste à côté de chez Ryuji. Comme par hasard. Et c'est encore le début d'une de ces amitiés de merde entre un gros con et une meuf complètement impulsive. Ouais. Mais non en fait. Mais ouais en fait. Pouah. Une dernière chose que vous devez savoir, bon ça après, vous le saurez en regardant l'animé, vous saurez beaucoup de choses en regardant l'animé parce que je viens de résumer le background mais de manière... très très condensé. Taiga, elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Yusaku Kushida, qui comme par hasard est le meilleur ami de Ryuji. Et Ryuji, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Minori Kushida, qui comme par hasard est la meilleure amie de Taiga. Maintenant que vous savez ça, je vous laisse imaginer ce que ce duo assez atypique a fait pour arriver à leur fin. La version manga de Toradora a commencé à être publiée en 2007 et est actuellement encore en cours. L'anime, adapté par le studio JC Staff, a été diffusé entre 2008 et 2009 à la télévision japonaise. L'anime comprend 25 épisodes, un OAV, et 4 épisodes spéciaux connus sous le nom de Toradora SOS. Et pourtant, malgré une histoire complètement tirée par les cheveux, non, parce que là, faut se le dire, hein, c'est du jamais vu, quelques facilités scénaristiques, du genre « Oh là là !» En fait, on avait dit pas de spoil, je te rappelle. L'intrigue de cet animé est ultra complète. L'animé y répond magnifiquement bien. Le background... rien à redire, un buffet. La chose qui est bien aussi avec Toradora, c'est qu'en 25 épisodes, on a énormément de rebondissements. Même moi qui, à force de regarder des animés, ai un peu l'habitude de savoir ce qui va se passer, bah, je vous jure, j'étais clairement, mais vraiment, mais carrément surpris avec Toradora. Et un truc qui est intéressant aussi, c'est le développement de l'histoire des personnages secondaires pour renforcer l'histoire des personnages principaux. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien fait dans Toradora. Le seul souci, selon moi, pour vraiment trouver un défaut à Toradora, ce serait que l'animé est un petit peu fleur bleue. De quoi Toradora, fleur bleue? Vous inquiétez pas, vous avez pas encore vu le prochain anime time. Sinon, Toradora est un très bon anime. Court, drôle, intéressant, profond, rien à redire. Franchement, il est juste magnifique. Franchement, foncez aller le voir, je vous le recommande fortement. Bon, après toutes les éloges que j'ai faites, vous imaginez bien que ma note personnelle ne peut rien être d'autre qu'un 5 étoiles. Franchement, Toradora, je pense que ça va rester l'un de mes animés préférés pendant très très longtemps. Sur ce, c'est tout pour cet épisode d'Anime Time. J'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Toradora, t'appuies sur le plus 1 en haut à droite de l'écran avec le petit i. Et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Ça me permet un peu de savoir ce que vous aimez comme type d'animé. Si l'épisode t'a plu, comme d'hab, tu laisses un pouce bleu. Ça en a peut-être pas l'air comme ça, mais ça m'aide beaucoup plus que ce que tu penses. Tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et maintenant Snapchat. Bon, après pour Snapchat, je risque pas de poster grand-chose. Hein. Surtout, je risque pas de prévenir pour la sortie des vidéos parce que j'aurai la flemme et surtout que je vais oublier. Mais au moins, si vous voulez discuter avec moi de temps en temps, me conseiller des animés aussi, vous pouvez le faire par Snapchat. Évidemment, si tu veux regarder Toradora, le lien est dans la description, comme d'habitude. C'était Hunter, on se retrouve le 20 pour le 20e épisode d'Anime Time, comme par hasard. Ciao !